من جديد في اي كوماغ، وكما قلنا لكم شنرجعوا نحكيو على البزنس اووردز بالنسبه للسجدية اللي نظمتهم في اخر الاسبوع الفارط. هذاك علاش حضر معنا بالهاتف السيد عماد قروي، بريزيدون سجدية تونس. اهلا وسهلا بك. مرحبا مدام، وشكرا على يعيشك يا سيدي. الاستضافة. الو، لو كان نرجعوا بريفمون جوستومون على السيريموني هذه، البزنس اوورد اللي نظمها السي جي دي، فكره عامه قبل ما نمشيو نحكيو على الانتربرونيا اليوم وكيفاش قاعدين نشجعوا في الانتربرونيا في بالنسبه للي بيان جون انتوندو. تونيزيان اي لي جون ديريجون تونيزيان. ايكوتي لو سي جي دي سي سي جي دي بزنس اوورد، ان فيت سي ان كونكور كي ا ايتي ايديسي par le Centre des jeunes dirigeants de Tunisie, avec la Konrad Adenauer Stiftung, qu'on remercie, c'est la fondation allemande partenaire, depuis 2008. Donc il a 14 ans cette année, il récompense le meilleur jeune dirigeant de l'année autour de critères de leadership, autour de critères de valeurs qu'il porte ou qu'un jeune dirigeant dans son entreprise. Et bien entendu, c'est pour la promotion de l'innovation, l'entrepreneuriat et le parcours exceptionnel qu'il a. Donc voilà, en quelques mots, le CJD Business Award, c'est quoi le concept interne, voilà. C'est pour valoriser l'entrepreneuriat et l'innovation, les valeurs du CJD, la responsabilité, le partage, la solidarité, la résilience. شو كان نعمل مقارنة صغيرة عماد للسي جي دي بزنس وورد بالنسبة للمرة هذه لسنة 2023 مقارنة باللي فات؟ C'est-à-dire, qu'est-ce, madame? Écoutez, cette année, le Business Award de cette année, il a été repensé, parce que Kishmakol, vu que c'est un événement qui a quand même un rendez-vous qui a 14 ans, donc on a essayé de donner un plus, une touche de plus. Donc on a fait introduire avec nous les start-up qui ont participé, donc Tanarki Umbarat Hatar, la lauréate. C'est une start-upeuse. Finalement, c'est on a mis en avant l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat pour les jeunes, mais à différents niveaux, que ce soit au niveau des universités. Comme vous savez, vous connaissez le programme Enactus, c'est un programme national et international. Donc, on a voulu mettre en avant et valoriser Enactus Tunisie, qui ont gagné et qui ont été vice-champions du monde cette année. Donc, on est partenaire avec Enactus, qu'on remercie et qu'on... Et finalement, on a aussi donné l'initiative à une autre association, parce que ça rentre aussi dans la logique d'inclusion interne. Donc, pour les jeunes lycéens, donc c'est une association qui s'appelle Tunisia 88, qui valorise l'entrepreneuriat à travers la culture et la musique. Donc, qu'on a mis aussi en avant avec nous, la cérémonie interne. Bien entendu, une des choses qui a été, je pense, aussi remarquée, ou d'ailleurs, cette fois, il y a eu une présence exceptionnelle de l'écosystème tunisien, marana, entrepreneurial, bien entendu, et économique. Donc, on remercie tous nos partenaires, tous nos amis, toute la communauté, l'État Barfina, d'avoir assisté à cette cérémonie et d'avoir fait de cette cérémonie une réussite cette année. باي خلينا نحكيو شويه على لو بري دو ميور جون ديريجون لسنه 2023 اللي مشى الاماني منصوري اللي نحكيو على الستارت اب دابشي بوينت كوم وكان يمكن تحكي عليها برشا اماني فتره من الفترات خاطر كنا حتى لقيناها في القائمه نتاع فوربس للشرق الاوسط 30 اندر 30 في فتره من الفترات كانت كيف توسعت خرجت من تونس مشات لمصر فما تطور كبير ما تصار في المؤسسة واليوم نلقاوها صاحبة اللقب أفضل مسير شاب لسنة 2023 بالضبط. Donc pour parler de MNI, je pense déjà à Walhaj, je voudrais remercier tous les participants et les finalistes aussi qui ont arrivé à la phase podium et même avant les cinq derniers où laquelle on s'est décidé à choisir MNI comme lauréate du CJD Business Award de 2023. Donc le choix a été difficile. Après on a eu ce n'est un panel exceptionnel de candidats et le choix a été difficile. Donc je voulais commencer par remercier tous les participants et les podiums, donc que ce soit Mohamed Salah Mbarak avec sa société Tawa Digital ou encore Alpha Kileni avec Kitoprod.
Voilà, exactement. Pour parler de Emeni, en fait, comme vous avez dit, elle a un parcours. Déjà, au niveau du Business World du CJD, on valorise autant le jeune dirigeant que son entreprise. C'est-à-dire que l'UMA, les critères internes ne vont pas seulement sur une performance économique, mais plutôt sur des critères de leadership, sur la valeur ajoutée l'UMA que le projet porte. L'UMA, on a quand même des valeurs qui vont aussi au niveau d'une économie responsable, d'une économie solidaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Emeni, son projet, il est exceptionnel dans ce sens-là. Emeni se positionne comme étant un projet innovant aussi, parce que c'est le premier projet qui soit initié en Tunisie dans ce sens-là. Une start-up qui fait dans l'économie circulaire, elle revalorise et elle donne une seconde vie aux vêtements. Aussi le côté international, donc de la start-up d'Apshi, où elle s'internationalise vers l'Égypte, comme vous avez dit. Donc tout ça a fait que Emeni et son entreprise, son parcours, son leadership ont fait ce choix-là de la personne. هو حتى في الـ بالنسبة للديريجون يقولي ولا لي تخوا فيناليست اللي تم اختيارهم في النهاية فما تنوع في الاختصاص بشكل ما أشكلوني حبيت نسألك عماد ما فماش تركيز على أو توجه معين للسي جي دي في اختصاصات معينة مثلا بالنسبة للتكنولوجيا بالنسبة للإيكونومي فيرت معناتها فما حاجة معينة وإلا المفيد بالنسبة لكم هو البروفيل ديريجون أكثر من كل شيء وطريقة العمل متاعه كيفاش كانت Exactement. C'est vraiment, Ahna, avant toute chose, c'est le profil du dirigeant. Autant, et qui est tout aussi important que son entreprise. Donc, il peut être donc tout aussi bien dans l'économie verte ou dans l'innovation ou même dans l'industrie. Aussi, on a eu parmi les candidats aussi qu'on a remercié, on a gratifié une entreprise qui est dans l'industrie de la PVC, l'industrie de l'immobilier, enfin, qui fait. Mais lui, on juge le comme vous savez, Tarf, madame, les années, c'était des années quand même assez difficiles. On a eu une période de Covid, on a eu une période où le jeune dirigeant et son leadership a été sollicité par sa résilience, sollicité par son sens de sa solidarité avec ses employés, avec ses fournisseurs, un sens commercial assez développé aussi pour pouvoir rassurer ses clients. Zada Kifkif, l'écosystème MTAOZ, Amarnata. Donc, je pense que c'est ce choix-là, c'est ces critères-là qui ont été plus que réellement l'activité, voilà, le secteur, mais finalement, c'est un tout. L'innovation, elle est importante. La responsabilité sociale, sociétale et environnementale est importante. Les valeurs portées et la posture aussi, et le leadership du jeune dirigeant aussi sont importants. C'est autant de critères lui-même dans la sélection et du meilleur jeune dirigeant pour le CJD. En fait. Voilà. Donc, le jama ma bin les nouvelles technologies, enfin la biotechnologie qui te prod, les réseaux sociaux, le monde de l'influence chaque l'âme ma tawa digital, kif zeda le projet de Emeni il كانت هي elle fait بأفضل مسير شاب من خلال دابشي كوم يقول لي فما تنوع زاد حتى بالنسبه للتوب 3. شكرا لك عماد قروي يعطيك الصحه على مداخلتك معنا وان شاء الله بالتوفيق اللي تعملوا فيه الكل. نفكروا كنا نحكي وحديثنا كان يدور حول السي جي دي بزنس ووردز اللي الموعد السنوي وتكتشفوا معاه مشاريع كل سنه. توا باش نمشيو نعملوا دوره بعيده على تونس، نمشيو للعالم شنو اللي صاير في ليكونترناسيونال.